Voilà. J'essaye d'être bref. Deuxième chose, donc ça c'est fait, voilà les conditions sanitaires, maintenant on en a parlé, c'est fait. Ben, bien sûr, évidemment, avant de commencer tout événement, on remercie bien sûr les personnes qui nous permettent d'organiser ça. Donc en premier, ben, je remercie les représentants du département. Nous avons là devant nous au premier rang Monsieur Christian Grange, qui représente le département de Savoie. Nous avons des représentants de la Maurienne. Et bien évidemment, nous avons des représentants de la station de Valmeigné. Donc, tout ça ne serait pas possible sans tous les acteurs, sans tous les partenaires. En premier, bien évidemment, Monsieur Albrieux, Alexandre Albrieux. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Il est juste un peu derrière. Voilà, donc c'est le maire de la station. Et qui fait que, voilà, on peut être là ce soir tous ensemble. Et puis, bien sûr, j'en profite de remercier aussi tous les autres acteurs, mon président qui n'est pas encore là, la vice-présidente de l'office de tourisme, Alexandra Baudin, qui est là, et puis les principaux acteurs de la station qui nous aident au quotidien, Anthony Vacheran, qui est le directeur des remontées mécaniques, Pascal Baudin, qui n'est pas encore là, qui est le directeur de l'ESF, enfin voilà, tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour que Valmeigné soit au quotidien une station accueillante et de plus en plus performante. Voilà, ça c'est pour nous. Bien évidemment, toute l'équipe de l'Office de tourisme qui a œuvré vraiment très dur. Chacun, tout le monde dans l'équipe a vraiment travaillé dur pour qu'on vous propose cet événement. Ensuite, bien évidemment, vous les avez peut-être vus ou pas encore, Johan, il a une famille. Et vous le verrez dans le film, il a des parents qui ont joué un rôle très très important. Donc j'aimerais également qu'on applaudisse très fort Monsieur et Madame Zarco qui sont présents là au premier rang. Vous aurez l'occasion, bien évidemment, de pouvoir les voir pendant la réception. Et voilà. Voilà, ben, je crois que j'ai presque fini. Ensuite, les deux acteurs principaux. Monsieur Bernard Faux, le réalisateur du film. Alors, on sait qu'on a beaucoup d'amateurs de moto, donc vous savez également qu'il a eu une première carrière comme pilote moto. Et puis, donc, il a été le réalisateur du film. Il est là avec toute son équipe pour nous présenter son travail. Voilà, donc, pareil, on peut vraiment applaudir très fort. Monsieur Bernard Faux. Voilà, ben, il en reste plus qu'un, hein, et puis bien évidemment c'est le meilleur. Donc, vous avez peut-être vu, il y a déjà eu des images qui ont circulé un petit peu partout. Il y a déjà eu une projection qui s'est faite, je crois, dans le sud. Alors, on dit tout le temps que les gens du sud sont très expansifs, etc. Donc, j'aimerais quand même que, pour accueillir Joanne, vous montriez qu'en Savoie, on sait vraiment applaudir très très fort. Donc, je vous propose d'accueillir Joanne Zarco. Ça vaut le sud, ça vaut le sud. Eh bien, bonsoir. Merci d'être là. Ça fait toujours très très chaud au cœur parce que ce film, il est d'abord sorti en DVD et ensuite, on peut maintenant réaliser ce sorte de rêve de pouvoir l'avoir sur grand écran. Première diffusion sur Lourmarin et là, grâce à Denis et tous ceux qui l'ont remercié, deuxième diffusion. Ici à Valmeigné, j'en profite pour me faire un week-end sur les pistes, en ski, en snow scoot même plus précisément. Et c'est vraiment sympa. Je peux même l'intégrer un peu à la préparation, mais ça permet d'avoir un week-end cool sur la neige. Et puis ensuite, continuer l'entraînement pour partir lundi prochain, le 31, pour la Malaisie. Et les tests vont commencer, donc vous allez, à mon avis, vite être au courant via les réseaux sociaux et MotoGP pour suivre tout ça. Pour ce qui concerne le film, une belle histoire avec Bernard, un passionné de moto, ancien pilote, et ensuite passionné de cinéma. Il a été photographe sur plein de tournages, et donc il a cette fibre du cinéma et l'histoire de
de ce film, en fait, elle s'est faite avec les années. Il y avait un premier projet qui devait juste résumer mon arrivée en MotoGP. Donc de mes deux titres Moto2 2015 et 2016, arrivée en MotoGP. Et une belle première année, et suivre cette année 2017. Et ensuite, finalement, le film, il pouvait pas se terminer tout de suite. Il y a eu quelques déboires, mais c'est devenu une chance, quoi, un mal pour un bien, parce que 18, 19, la difficulté avec KTM, et la renaissance avec Ducati. Et là, vous allez pouvoir suivre tout ça. Et l'histoire, elle est devenue beaucoup plus belle, finalement, qu'une simple arrivée en MotoGP. Bon, bah, moi, après ce qu'a dit Johan, je ne peux pas dire grand-chose de mieux. Hein. Il a bien résumé la situation. Moi, je peux juste remercier profondément. Mais remercier Denis, remercier évidemment Johan d'être présent. Mais c'est un privilège de vivre ça parce que je vais m'en souvenir longtemps. Ça fait partie des moments exceptionnels puisque. Pas la bonne mécanique, voilà, c'est ça. C'était déjà comme ça quand je courais. Quoi. C'est un micro Ducati. Voilà, il manquait un peu de watts et de sous aussi, quand de la guerre. Bon, ça c'est une autre histoire, le Continental. Et évidemment, ce film-là, je suis allé vers Johan, parce que Johan, il connaît le passé, et ça m'a intéressé, et je ne l'ai pas regretté, parce que j'ai choisi la bonne personne. Vous savez, les réalisateurs, ils disent souvent, le premier talent qu'on a, si on veut faire un film, c'est de choisir la bonne personne. Et là, je ne me suis pas trompé. Voilà, donc, il incarne beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. On va dire qu'il y a identification, pour dire simplement. Il ne faut pas durer, parce que s'il se met à parler, on en finit. Bon, juste pour vous dire... que le film commence. Voilà, c'est mieux que le film. Et je peux vous dire que c'est un rêve que j'avais enfant, de me dire après la course, faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire de vivre l'intérieur et de le raconter à travers un pilote. Voilà, c'est fait et vous participez à ça. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc on va vous laisser pour la projection du film et puis donc Bernard, Johan vous retrouvent tout à l'heure dans la salle du rez-de-chaussée. Voilà, profitez bien du film et à tout à l'heure. Merci. Chacun possède une force intérieure qui le guide vers l'œuvre de sa vie, s'accomplir. Pendant l'enfance, cette force est facile à toucher du doigt. Elle oriente nos activités et remplit notre profonde curiosité. Puis au fil des années, cette force s'estompe et on écoute davantage ses parents, ses amis, en subissant l'usure des angoisses quotidiennes. Un jour arrive, on se demande, qu'avons-nous fait de nos rêves ? Johan aura bientôt 30 ans. Il est coureur de moto sur piste et depuis 16 ans, il court avec une idée fixe, devenir le meilleur du monde. Aujourd'hui, tout proche du sommet, il sait que les derniers mètres seront les plus difficiles. Je suis au monde. Formidable parce que quand même c'était le petit dernier, très désiré, et le petit dernier, donc il a été, voilà,
Il avait un caractère très fort, finalement. Il a toujours. Alors, ça a toujours été un petit enfant très calme, toujours d'accord. Bonsoir à toutes et à tous et merci. Merci d'être aussi nombreux. J'espère que votre soirée sera bonne. Elle a en tout cas été bien organisée. Et ouais, ce petit week-end au ski pour profiter. Parce qu'en pleine période vraiment d'entraînement, entraînement physique au taquet. Et même encore sur place, hein, je peux toujours m'entraîner. Profiter un peu de la neige et être présent avec vous pour échanger quelques mots, vous remercier de ce support depuis, je pense, quand même plusieurs années, d'être aussi intéressé par l'histoire et le parcours, et du coup de soutenir encore pour cette année 2022 qui, j'espère, sera meilleure que la saison 2021 qui a été pas mal du tout quand même. Donc voilà. D'abord, merci encore. Quoi dire de plus, je sais que vous allez voir le film tout à l'heure. Sans doute certains l'ont déjà vu, l'ont déjà en DVD. Mais le voir sur grand écran, ça a un autre charme quand même. Même moi, j'ai été pris sur la session de Lourdes Marin. Et c'était beau de le voir sur grand écran. Un beau projet hein, qui... Bernard, passionné de moto, ex-pilote et passionné de cinéma parce qu'il a fait de la photographie sur des grands tournages. Du coup, le cinéma, il connaît. Et de pouvoir créer un vrai film, c'est un peu c'était son objectif. Au début, l'histoire, c'est raconter un pilote qui est champion du monde et qui arrive en MotoGP. Donc le film devait s'arrêter fin 2017. Mais finalement, par pas mal de déboires, et il n'a pas pu prendre forme en fin 2017. Et il a pris forme que plus tard. Et donc, on peut voir en fait plus l'histoire et les difficultés. Et ensuite, le rebond avec Ducati. Et c'est ça qui rend l'histoire et le film plus beau que son projet initial. Donc, un mal pour un bien. Et je sais que vous serez tous capables de l'apprécier. Maintenant, j'ai du temps, du coup, on va pouvoir échanger un peu le micro, se poser des questions, ou je pense, comme on n'est pas si nombreux, les personnes qui veulent poser des questions peuvent lever la main, et selon les questions, je pourrai répondre comme vous me connaissez, avec sincérité et en donnant plein de détails, s'il y a besoin de détails. Et donc voilà, je ne vais pas trop en dire maintenant pour que presque on prenne le temps de se faire une discussion entre nous. C'est mieux que je me colle sur le pupitre pour faire des dédicaces et des selfies au plus de personnes possible, parce que là je trouve que ça limite un peu l'échange. Et vu toutes les règles sanitaires, c'est mieux comme ça. Et même pour respecter mes partenaires chez qui, des fois, je ne peux pas aller. En l'occurrence, Maxess, qui a beaucoup de magasins, qui aimerait bien ma présence à plusieurs endroits en France. Mais et par le calendrier et par toutes ces nouvelles règles, on les limite. Et donc, ça serait peu justifié de dire que je peux le faire ici et pas ailleurs en France. Donc, c'est pour ça que je veux prendre un moment avec vous. Mais je pense que ça sera même beaucoup plus fructueux qu'une simple photo. Bonsoir. Écoutez, merci encore d'être là. C'est vraiment un honneur, un privilège, une chance. Une chance parce que c'est un rêve de gamin qui se réalise, la moto, cinéma. J'ai réussi à lier les deux. Et j'ai eu la chance, mais peut-être je l'ai provoqué, peut-être c'est un retour de mon histoire du passé, de croiser Joanne. Et je savais que je faisais le bon choix.
Et voilà, et l'histoire a commencé il y a 4 ans. Et c'est fabuleux parce que c'est maintenant, je peux dire, autant son film que mien, quoi. Donc j'espère que vous allez l'apprécier, évidemment, c'est le but, de partager. Et puis je remercie surtout Denis et Valménier et toute sa Dream Team d'avoir fait quelque chose de vraiment exceptionnel, d'intime et chaleureux. Parce que les gens de la moto, ils sont chaleureux. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon on passe la nuit. Bon appétit et à plus tard. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé du film ? C'est très intéressant, ça nous fait connaître un peu l'histoire, parce qu'on connaît la fin, moi je connais depuis le Moto 2, avant pas trop, alors c'est vrai qu'on connaît toute l'histoire, c'est très intéressant, et puis que c'est vraiment qu'il y a un mental, il réfléchit beaucoup, et même en interview, c'est vrai qu'il est toujours très très intéressant, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez réservé. On connaît pas énormément de choses sur lui et ça permet de savoir beaucoup beaucoup plus de choses et de voir un peu l'envers du décor, tout ce qu'il a pu traverser et ça le rend encore plus humain et c'est que mieux. Ok, cool, merci. De rien. Oui, tout simple, hein, le prochain Sopérieux c'est quand ? Oui, on l'attend. Hein. On a eu quelques-uns dans la neige aujourd'hui pour se faire plaisir et reprendre un peu des repères. J'ai même pu en faire un, j'étais cette semaine en Italie à la présentation du team, on avait des photoshootings à faire à l'usine Pramac d'ailleurs, proche de Sienne, et j'ai pu refaire un salto sur la moto pour faire de jolies photos. La réception n'était pas parfaite, mais ça a permis de reprendre un peu des repères. Donc, espérons cette année en avoir plusieurs pour jouer une belle place au championnat, quoi. Ça serait top. Ça permet d'en parler à la neige. On m'a aussi posé la question ce midi. Et je disais qu'un 358 ou un 362, c'est la même chose. Après le 362, il a été fait une fois. 360, c'est 100 mètres secondes. Et j'aime bien le rapporter à la vitesse, à ce chiffre-là, quoi, parce que 100 mètres à la seconde, ça, quand on regarde dehors et qu'on se met un point à 100 mètres, et on se dit ça se fait en une seconde, c'est assez... un stade de foot, ouais, en une seconde, c'est assez dément. Et pour le Qatar, j'ai raté le freinage. Enfin, c'était un peu préparé, parce que on voyait déjà les belles vitesses de pointe, et l'endroit où la vitesse était prise, c'est quasiment l'endroit où je devais freiner. Mais c'est l'endroit où je freinais quand le vent était de face ou quand il n'y avait pas de vent. Et déjà, c'est un freinage tard quand on est aidé par le vent. Mais si le vent nous pousse, du coup, on freine plus tôt. Parce que même pendant qu'on freine, le vent va continuer de nous pousser. Mais même en freinant plus tôt, on allait déjà plus vite qu'avec le vent de face. Et c'est là où hop, le cerveau il réfléchit vite. Il se dit, il y a moyen de faire un truc avec une moto si puissante. Et pendant la séance, quand je me suis retrouvé derrière une autre Ducati, j'ai eu l'aspiration de la Ducati, le vent dans le dos. Et là, j'ai dit, combo gagnant, je freine tard. Mais je freine trop tard quoi, pour au moins passer en fait le capteur. Il n'est pas marqué sur la piste, mais par rapport au repère qu'on a, on se doute plus ou moins où il est. Et au moment où j'ai freiné, j'avais... Là, ça avait vite une différence d'au moins 40 km/h entre le moment où ça d'arriver plus vite, freiner un peu plus tard. Comme je dis, les 100 mètres secondes, en fait, de vouloir freiner plus tard, j'ai peut-être déjà freiné 25 mètres après. Et ça passait plus. Il a fallu aller jusqu'au gravier, pas tomber. Mais pareil, toujours le cerveau qui calcule vite. En général, quand on fait une sortie, des fois on rentre au stand. Et là, dans ce cas-là, si je rentre au stand, ma vitesse elle n'est pas comptabilisée. Du coup, un petit stress de finir le tour du circuit avec les pneus sales, plein de poussière, pas tomber, pour au moins dire « j'ai fait un tour en 3 minutes, mais j'ai mon record de vitesse ». C'est un peu l'anecdote. On pense beaucoup de choses, tout va très vite, mais c'est tout ça le record. Il est joueur, hein, c'est joueur. Ouais. C'est quoi votre prochain objectif pour l'année prochaine ? Le top 3.
Ben ouais, parce que le top 3, par exemple, c'était le potentiel de l'année 2021, manqué. Bon, la consolante, c'est un top 5, et c'est pas non plus mal. Après, comme il y avait un potentiel du top 3, ça a déçu, on va dire. Et moi, ça m'a mis les boules cet hiver, que les fans viennent me voir et presque me disent dommage. Alors que j'ai envie de leur dire, mais dommage de quoi? Il n'y a jamais un Français qui a fait 5e en MotoGP. Après, je tombe l'année où c'est un autre Français qui est champion du monde. Du coup, top pour la France, mais finalement, le top 5, on se dit, attends, s'il y a un autre Français qui est champion du monde, pourquoi pas toi? Voilà, toutes les vues sont bonnes à prendre. Enfin, on peut le voir de plusieurs manières. Mais ouais, ça serait un bel objectif. Je pense qu'il faut passer par des victoires quand même. Ça, avoir aussi sa Marseillaise pour simplement du gain de confiance. Donc voilà, si je peux gagner des courses, je serai content. Et si je gagne des courses, normalement, je peux faire une très belle place à la fin de l'année. Et faire plaisir à tout ce monde-là. Oui. Tu as roulé avec la nouvelle Ducati. Mon plus gros souci, c'est d'être prêt physiquement, parce que c'est tellement intense, et ça nécessite à chaque fois encore plus d'entraînement, en fait, parce que tu vois que les gars de 22, 23, 24, 25 ans, ils ont une énergie. À 31, t'as aussi beaucoup d'énergie, mais il faut être un peu plus stratégique pour la gérer, on va dire. Et je parle même pas du 40 ans, hein, comme à faire aussi, hein, que c'était exceptionnel. Mais déjà, voilà, c'est tellement prenant de devoir s'entraîner chaque jour en se disant il faut que tu sois bon, parce que t'as pas le choix, en fait. Si t'es demi-bon, tu disparais. Et c'est ça ce qui est beau dans le haut niveau, quoi. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, mais quand on y est, il faut vraiment bien s'accrocher. Ouais, les deux questions en même temps, presque comme ça, je pourrais répondre. Est-ce que Francesco Guidotti s'en va de Formel? Ok, et saison dernière, vous en tant que pilote, vous n'avez pas trop subi une pression médiatique? Non, mais je pense que je me suis mis une certaine pression moi-même, parce que j'étais deuxième et rêver d'un titre, ça serait dommage de ne pas l'annoncer. Mais à force de l'annoncer, j'ai plus accepté les autres places. Et du coup, j'ai commencé à faire des erreurs. Et c'est là, en fait, mon erreur. Parce que, oui, c'est bien de viser haut, mais il faut toujours avoir de la lucidité sur le moment et se dire, reste intelligent, des fois, prends ce qu'il y a à prendre. Et j'ai pas fait ça. Après, il y a eu le petit problème physique, hein, avec le bras, l'opération de l'avant-bras, et qui, en fait, chaque pilote presque maintenant se fait opérer parce que les motos elles deviennent de plus en plus puissantes et on n'a pas le temps de trop se relâcher dessus, donc en fait la crispation fait qu'à un moment ça bloque. Et comme ça pareil, j'ai pas voulu l'accepter parce que j'étais sûr de pouvoir le dépasser par de la décontraction. En fait ça, j'ai perdu du temps avec ça, donc ouais, on va dire la mi-saison à la fois de vouloir jouer le titre, de rêver de ça, mais peut-être de pas encore tout à fait prêt, il manquait un petit quelque chose, eh bien ça a fait une petite boule de neige, on va dire, négative, qui a fait galérer. Après, je suis bien reparti sur les trois dernières courses, je crois. Mais c'est là où, en fait, on apprend des choses, et c'est là où, quand je dis, en fait, de pouvoir être encore meilleur physiquement, c'est pour pas avoir le temps de penser à tout ça. Du coup, on s'entraîne, je m'entraîne, et ça, déjà, ça occupe l'esprit. Là-bas, après je... Question de pilotage, parce qu'on parlait de ton record là, du monde, est-ce que tu as des repères très précis avant chaque freinage de tous les circuits, ou tu arrives avec ton cerveau des fois à le savoir d'instinct? Avec l'expérience, on le sait, quasi d'instinct. De toute façon, quand au bout d'une grande ligne droite à plus de 300, on sait qu'un repère c'est la ligne du 200 mètres à peu près. Après, comme je dis, c'est pas possible d'être précis au centimètre. Parce que voilà, à 360, c'est du. T'aurais eu le choix entre Andrea Ebsol et Ducati, t'aurais préféré quoi, plus bicylindre ou plus. C'est pas un bicylindre la Ducati, hein. C'est un 4 cylindres aussi. Ah, c'était ouais, avec 4. Oui, le bicylindre, il est vieux quand même, ouais. Le V4 ou le 4 cylindres.
Bah pareil, c'est deux V4. Hein. Les seuls cylindres en ligne, c'est les quatre cylindres en ligne, c'est Suzuki et Yam. Et du coup, la question, c'est est-ce que lorsque ça a discuté avec Honda pour éventuellement être chez Repsol en fin d'année 2019, j'aurais préféré ça à Ducati. Moi, je jouais la carte Honda à fond. Et avant même de jouer la carte Ducati, en fait, ça s'est fait par étapes. J'ai pas eu trop le choix. Et mais là aussi, un mal pour un bien, parce que la Ducati, en fait, vu son évolution, elle m'a bien aidé. Et que l'équipe Ducati puisse me vouloir autant et me donner cette confiance, ça fait du bien aussi en tant qu'homme et en tant que pilote. Et pour le côté Honda, il y avait une occasion, on l'a tenté. Mais après, il y a eu d'autres pilotes qui ont pris l'avantage. Du coup, j'avais au moins fait quelques piges sur la moto qui avait encouragé Honda à se dire tiens, il y a quelque chose à faire aussi avec Johan. Mais ça, c'est pas fait. Du coup, voilà. C'est même pas est-ce que j'aurais préféré Honda ou Ducati, parce que quand j'ai joué la carte Honda, ben, j'avais que cette carte. Et après, en fait, c'était plutôt même la carte Ducati ou Moto 2, en fait, après l'épisode Honda. Et comme j'ai eu des bonnes. Des bonnes assurances que la moto serait bonne sur 2020, alors c'était mieux d'aller sur la moto GP que retourner en moto 2. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des moments difficiles qui m'ont donné envie d'arrêter le film ? Non, parce que justement, plus on avançait, les discussions qu'on a pu mener avec Bernard, discussions filmées, hein, et il y en a, voilà, il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup de morceaux de ces longues discussions dans le film, et bien ça fait trop mal au cœur de se dire on l'arrête. Et c'était vraiment pas le moment difficile de la carrière qui donnait envie d'arrêter le film, parce que c'est deux choses quand même séparées. Et le film, en fait, c'est raconter une histoire. Et on part d'un projet, et il y a un moment, c'est un peu solidarité, quoi. On lâche pas. Et sur ça, en fait, non, il n'y a pas eu ces moments-là. Mais clairement, en fait, c'est vrai qu'il a pris une belle forme, ce film, parce que on s'y attache plus quand on voit qu'il y a eu une sorte de galère, quoi. Et surtout qu'on parle de ces galères, on parle de moi. Quand je l'ai revu, je me suis entendu parler et ça m'a fait du bien. Ça m'a même remotivé encore plus pour cette année. Parce que les questions que je me posais, là, j'ai un peu plus de réponses. Mais presque à la fin, la solution, c'est plus poser ces questions. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on va dire on vieillit, parce que quand on vieillit on pense de plus en plus, d'où la force des jeunes de 24 ans. Mais si je pense qu'on a la capacité, on peut aussi se détacher de tout ça. Mais ouais, non, pour le film, ça a été long, ça a coûté de l'argent, mais on a pu trouver les partenaires pour se dire on l'abandonne pas, quoi. C'est trop dommage, ça serait trop dommage. Et même s'il fait un flop, au moins il existe. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui existe. Il ne fera pas un flop pour tout le monde. Il y aura une minorité qui le portera haut dans son cœur. Et ça, c'est beau. Mais au moins, ça existe, quoi. Du coup, c'est pour ça que ça va continuer. Ah, il y a beaucoup de mains. Est-ce que tu t'es déjà projeté au temps du film Continental Circus de Bernard ? Pardon ? Est-ce que tu t'es déjà projeté dans l'époque du film de Bernard Après ça, ce que je me suis donc projeté dans le premier film de Bernard, le Continental Circus, où il parle de l'époque des années 70, hein, le championnat du monde dans les années 70. Oui, monsieur, moi je me projetais beaucoup là-dessus et on en parle dans le film en fait. Moi je prenais ces gars-là en exemple parce que j'ai été coaché par un gars qui, en fait, son cerveau s'est arrêté à cette époque. Et du coup, j'ai beaucoup pris ça en exemple et j'ai fait plein de comparaisons. Donc ouais, et là en grandissant, je dirais, ouais, c'est une époque
était intéressante à vivre. Après, fallait aussi avoir du courage, hein, parce que c'était pas aussi bien cadré, et fallait être très passionné, parce qu'il y avait beaucoup moyen de pouvoir lâcher, ou simplement, eux perdaient des amis. Nous, j'en ai perdu quelques-uns, sans dire que c'était des amis, mais des pilotes à qui on a tous une certaine affect. Mais lui, c'était quasiment un par week-end. Et du coup, c'est une autre époque où tu te dis, ouais, il y avait des choses bien, mais aussi des choses bien pour nous maintenant. Mais oui, je me suis déjà projeté. Et lui voir ou pas, difficile à dire. Mais oui, c'était. J'ai pu rouler en fait sur ces motos. Déjà, j'ai eu l'expérience de rouler sur des vieilles motos. Donc, ça te refait encore plus vivre le délire. Et c'est sympa. Il y avait des mains au fond un peu. Ouais. C'est là où l'histoire est devenue belle, parce qu'on aurait en fait raconté une histoire de moto, d'un pilote moto, et c'est devenu une histoire d'homme. Et oui, on peut se l'approprier pour sa propre vie, ou s'en faire un parallèle, ou se prendre ça comme exemple. Mais clairement, et là aussi dans le film, moi je dis la compétition, ou c'est moi qui le dis, ou c'est même mon ancien coach, il dit c'est la vie en accéléré. Parce qu'en fait, quand on prend des décisions, on a une course, un week-end de course pour voir si cette décision était bonne. Et si elle était bonne ou mauvaise, presque on a le week-end d'après pour tester autre chose. Alors que dans la vie, une prise de décision, des fois c'est sur plusieurs mois ou plusieurs années, on a la réponse, ok, elle fait mal, et là on change. C'est là où c'est la vie en accéléré. On a 19 courses, 19 week-ends pour... ou alors, quand par contre ça marche bien, 19 week-ends pour essayer de tenir ton cap à pas lâcher ça. Donc ouais, ça peut vraiment se... Et c'est ça qui... Ça va être moins spectaculaire et moins être un show qui attire plus, hein, quand même. Mais pour ceux qui sont suffisamment ouverts à recevoir des choses, c'est pas le but principal, mais il peut y avoir un message comme ça. Après, là, Bernard peut nous dire s'il y a ce but-là. Et je vais lui laisser un peu la parole. Pour moi, le cinéma, enfin, faire ce film-là, comme la course, pour moi, c'est avant tout une aventure, c'est une expérience. Et laisser une trace de ça pour partager avec les autres. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans la photo et dans le cinéma. Si on fait des films, c'est qu'on a envie de les montrer pour partager ça. Et la course, c'est pareil. Il y a les spectateurs. Et donc, ça, je pense que ça a été abouti complètement. Ça a pris du temps, mais le résultat est là. Et je pense que même quand on verra le film, dans 10 ans, 20 ans et tout, ça sera en plus un document sur une époque. Et c'est une grande chance d'avoir mené à bien. Mais c'était pas gagné. Mais comme toujours, comme la course, celui qui rêve d'être pilote un jour, et le film le montre avec l'exemple de Johan, moi ce que j'ai connu au tout, c'était, on va dire, au jour le jour. Mais bon, c'est ce qui donne l'intensité aux choses. Voilà. Beaucoup en rêvent, mais peu de gens peuvent le faire. Mais du coup, après ils partagent. Je pense que les spectateurs, quand ils vont sur un circuit, ils partagent ce que vivent les pilotes. Et puis quand on a un film, c'est pareil. C'est identification, ben c'est réussi. Quand au cinéma on pleure, c'est que la personne nous touche et comme ça nous touche nous-mêmes. Quand on fait un film, même sur un autre pilote, on se raconte soi-même. Hein. Voilà. Ouais.
La question pour Bernard, pour savoir comment, techniquement comment ça a évolué en... Comment t'as géré l'évolution en... Pour moi, c'est très clair. Sans le numérique, je n'aurais jamais pu faire ce film. C'est avant la pellicule, d'ailleurs, tout le monde fait des photos maintenant, mais sauf aujourd'hui, on disait stop, maintenant, vous rachetez un appareil, vous rachetez la pellicule, ils se calmeraient avec les images. Hein. Donc c'est pareil pour le cinéma, quoi. C'est-à-dire, la pellicule, ça coûte très cher. Mais le numérique, ça coûte rien. Ça coûte toujours de se déplacer, le temps, payer les gens, enfin, la même histoire. Donc l'évolution, je dirais le numérique a tué un peu le métier du photographe que j'étais, mais m'a permis de faire les deux films que j'ai faits. Et donc, voilà, c'est comme ça. C'est un mal pour un bien et c'est super quand même. C'est du bonheur. Là, avec le béret. L'idée du film, je parle, elle vient de Bernard. Hein. Eh bien, après avoir fait le premier film, autour du Contes à la Circus, où je me racontais un peu, et surtout toute la bande de l'époque, de la French Federation, j'ai eu envie de faire le portrait d'un pilote, donc un pilote français, mais cette fois-ci de faire un pilote moderne. J'avais un peu ça dans l'idée, je me dis, tiens, comment je peux reprendre un ancien pour raconter tout. Et puis je suivais Johan, évidemment, parce que le premier titre, ça m'a impressionné. Et puis le deuxième titre, là j'ai dit, là ce qu'il fait, c'est le truc le plus dur. Rééditer un titre, comme c'est la chose la plus difficile, dans la même catégorie, parce que il était l'homme à battre. Et là, je me suis dit, il prend un risque là, énorme. Et d'ailleurs, à un moment, c'était chaud pour lui, j'ai senti... Mais en même temps, c'est là qu'il a été impressionnant, c'est qu'il a fait face à ça. Il a dépassé ça et son deuxième titre m'a ébloui. Je me suis dit, il faut que j'approche parce que c'est lui, la personne que je suis. Et surtout, le prendre au moment où il accède à l'Olympe, à la plus haute marche, et comment il va évoluer là-dedans. Donc c'était important que je le retrouve à filmer. Parce que bon, j'ai eu l'idée du film, mais quand je l'ai lancé, j'étais même à découvrir sur mon compte, donc j'avais zéro. Mais il y avait le Qatar qui arrivait, je me dis, il faut qu'on aille filmer avant qu'il prenne le départ de son premier Grand Prix. Parce que c'est toujours intéressant les choses qui sont en train de démarrer. D'être au départ, c'est toujours plus excitant que quand le mec il a gagné, c'est plus facile. Quoi. Et je ne me suis pas trompé parce qu'en plus j'étais confiant. J'ai dit, mais Johan, il y aura deux. Ça m'a fait marrer parce que le commentaire anglais dit. Il y a deux champions du monde en tête du Grand Prix. Avant qu'ils chutent, il y avait Johan et Marquez. Et je lui ai dit, mais Johan, au départ, il y a deux champions du monde. Toi, parce que tu te sors ton titre de moto 2, et Marquez. Donc j'étais confiant parce qu'il était en confiance. Puis j'avais compris que les essais c'était pas mal passé. Et voilà, et j'ai pas été complètement. D'abord, quand j'ai vu les essais, je me suis dit, s'il est. Dans les 5 premiers essais, il va faire une super course. Voilà. Deuxième ligne, le super départ, et puis toute l'histoire après qui s'arrête, mais ça c'est encore un autre débat. Mais bon, je connais un petit peu la course et je connais un peu les pilotes quand ils arrivent. Je pressens, je peux m'identifier à ça. Quoi. Et voilà, donc j'étais au bon endroit. Johan qui était en train d'accéder à l'Olympe et voilà. Et puis après il y a eu tout, les hauts et les bas, les déboires qui font que c'est ça la vie aussi d'un pilote, j'ai envie de dire d'un être humain. Hein. On va faire les trois gamins devant et après il y avait encore, j'ai vu quelqu'un de grand derrière. On va faire les trois petits devant. Alors avec le bonnet. Ça fait quelque chose de faire un film sur soi en tant que pilote. C'est bien, ça fait plaisir parce que
comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un film, ça reste, ça peut durer très longtemps. Et il y a toujours quelqu'un qui, plusieurs années, hop, ressortira le DVD et aura le plaisir à le regarder. Donc ça, c'est bien. Après, me voir à la télé, à l'image, grâce à ma longue carrière, presque j'ai l'habitude. Du coup, j'ai pas le petit côté « Oh, je passe à la télé !» parce que j'ai eu l'habitude d'avoir cette sensation, mais plus dans avoir ce plaisir de rentrer un peu dans l'histoire. Et c'est... Ouais, c'est pas très normal, et du coup, c'est pour ça que c'est important et c'est bien. Ouais. Est-ce que les chutes font mal ? Pas toutes. Et on a de la chance, en vitesse, elles font pas très souvent mal. Parce qu'en vitesse, on glisse quand on tombe. Et on glisse, on peut glisser très très vite. Mais finalement, maintenant, on a de la place pour glisser. En motocross, ils sont beaucoup plus mal que nous. Parce qu'ils montent très haut. Et quand ils n'ont pas le temps de glisser, ça tape tout de suite par terre. Et là, ça casse. Et nous, on a de la chance. On se blesse moins. Et on est ultra protégé aussi. Du coup, on se fait mal des fois. Hein, c'est normal. Parce que même en glissant, avec la vitesse... Mais on a quelques brûlures, même avec les bonnes combinaisons. Mais après, les brûlures, ça fait juste des marques, en fait, des marques de guerre. Et ça permet d'impressionner les filles quand t'es grand. Et d'avoir des souvenirs. Il y en avait un troisième, je crois, qui levait la doigt devant ou pas. Sinon, ouais. Est-ce que t'as des motos chez toi? J'ai des motos chez moi, j'ai une Multistrada, c'est un Ducati de route pour se déplacer, pour aller dans les centres-villes, tout ça, et donc pas avoir trop de problèmes avec les bouchons. J'ai une Panigale, c'est la moto d'entraînement qui ressemble presque à la moto de course, et une moto qui pour rouler sur des grandes pistes et qui va très vite. Et puis j'ai une motocross. Pareil, pour s'entraîner, c'est bien. Des fois, une motocross, j'en fais pas très souvent, mais c'est bien de l'avoir. Et deux super motards, parce que là, c'est le super motard, c'est une moto sur laquelle je m'entraîne souvent, que en mode piste, hein. Je touche jamais la terre en super motard, mais au niveau sensation, les pneus fonctionnent bien, et c'est des entraînements qui sont faciles à organiser, et donc j'ai ça. Et là, on va en acheter semaine prochaine... deux petites motos, deux pour avoir en fait du matériel s'il y en a une qui se casse, pour rouler sur des petites pistes indoor, donc les pistes à l'intérieur, et pour pouvoir même rouler avec les enfants quand j'ai du temps, ou s'il y en a sur la piste, partager la piste avec eux, et moi me faire des exercices un peu différents. Mais ouais, je vais commencer à avoir beaucoup de motos dans le garage. Ouais. La marque que j'ai préférée, hein. La marque, oui, c'était la préférée. Ben, par la puissance, la Ducati, elle est vraiment exceptionnelle et même démoniaque, si on peut utiliser ce mot-là, parce que elle va vraiment, vraiment très vite. Et après, chaque moto GP, elles ont toutes quand même une particularité qui rentre pas dans le monde du commun, dans le monde normal. Et ça, c'est pour ça que c'est... Il y a une adrénaline. Presque quand on goûte à cette adrénaline, tout le reste semble fade. mais c'est... Là, actuellement, c'est la Ducati, parce qu'elle est, elle est, elle est géniale, et c'est difficile de trouver sa limite. Et la Yamaha aussi, elle était comme ça. Oh. Elle avait pas cette capacité de moteur, mais dans les virages, des fois, tu te dis... comment c'est possible, et ça c'est des sensations sympas. Je vais faire au fond, il y avait des mains qui s'étaient levées. Je vais faire encore 2-3 questions, et après je pense que ça va pas trop tarder de finir votre bon apéro, et ensuite pouvoir
se déplacer vers la prochaine diffusion. Mais allez-y, j'ai encore au moins 3-4 questions à pouvoir. Deuxième podium du Qatar, donc on chante la Marseillaise avec Fabio. Un vrai bon moment. Fabio, il chante pas, lui. Ah, il rigolait trop. Il rigolait trop. Et je repars en tête du championnat du monde, quoi. Et franchement, après, juste analyse rapide avec la galère qu'il y avait eu pendant plus d'un an, se retrouver en tête du championnat du monde, tu te dis, c'est beau. Clairement, après, ça dure longtemps et c'est là où il faut être vraiment tenace pour tenir jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, il y a eu une vraie belle satisfaction. Et ouais, si j'ai un bon souvenir, on peut le tirer comme meilleur souvenir. Et du film, ben, tournage qui commence souvent, en fait, est d'abord venu sur l'école des gamins. Tiens, c'est les premiers... Belmont, c'est le début. Oui, donc ouais, ouais, l'école avec les gamins. Tu t'entraînais tout seul avant 4 ans. Mais ça, c'est pas le début du film. Il y a eu d'abord... Le filmage. Ouais. C'était, tu sais, le circuit tout seul avec... Après les gamins, c'était le... C'était oui, d'accord. C'était ouais. Le Qatar. Ouais. Alors... Bon, on a fait des choses, hein. Il y a eu une longue discussion à la maison. Donc là, en fait, il prenait sur mon temps. Donc, c'est peut-être pas les meilleurs moments, même si après les discussions, c'est comme un psy, hein. Tu sors toujours des choses intéressantes. Hein. Tu fais que parler, l'autre il répond pas, et après t'es content, t'es sorti, et tu trouves des solutions. On est allé faire. Ouais, allez, c'était. On a passé quoi 48 heures qu'on allait faire l'apnée. Et ça, voilà, une sortie bateau avec le copain apnéiste sur son grand voilier et des conditions extra. Il a appelé un ami qui est spécialiste pour filmer sous l'eau. Et ouais, ça c'était quelque chose parce que de voir rien que l'équipement du mec qui... peut-être il n'est pas spécialiste film, mais il a aussi d'autres boulots et son boulot, c'est, de toute façon, c'est toujours des boulots sous l'eau. Et ce qu'il raconte, c'est incroyable. Tu te rends compte qu'il y a des travails qui... C'est des mecs qui ont des boulots qui... Waouh, tu crois même pas que ça existe. Et là, pour le rien d'avoir appris de nouvelles choses. Et c'était... Voilà, là, on a tourné quelque chose. Il y a eu du plaisir pour chacun. Et ouais, allez. Elle y est, hein, la scène sur le bateau. Mais ouais, ouais, c'était ça, franchement, parce que c'est... Voilà, c'est une virée bateau avec une nuit en mer, ça reste quand même. Ça, il y a son kiff. Il y avait un autre personnage, quoi, Stéphane. Oui, Stéphane, le pro-apnéiste. Après, moi, je le connais mieux que toi, mais du coup, Bernard le découvrait. Et lui, pareil, quand il parle, on voit toutes ses paroles parce que. Il dégage tellement de passion là-dedans. Et que c'est pas normal ce qu'il fait. Et t'écoutes. Et c'est beau, quoi. C'est. Ouais. Meilleur moment sur le bateau. Passe-toi pour ton mail. C'est encore merci pour tout le jour. C'est un bel salto, hein. Johan.